Somme chung kui. Ong chum num chum ra, som ka mun to sa on a ka. Hai pel mai ni kư khang ka lam chi ban oi email mo tha khang saha me tu vi khu som phon ban sna som tu samna ma ong chum num chum ra som pachol ai ka sa phos tang sam ang phleu chbab ma tala ka chung som oi ហមិទ្វីលើកឡើងអំពីសំណើរឿងបន្តិចដើម្បីផ្ដល់ឱកាសដល់ភាគីម្ខាងទៀតដើម្បីធ្វើការផ្ដល់យោបល់បាទសូមអញ្ជើញ Oui, merci monsieur le président. Le mail que nous avons envoyé fait simplement écho à la décision et à notre position de ce matin, à savoir qu'il s'agit simplement d'un document de doctrine en réponse à un document de doctrine qui a été fourni par les coprocureurs. A priori, c'est un document que nous entendons utiliser pour la session relative au crime, mais nous l'avons communiqué au plus tôt de façon à ce que les parties puissent en prendre connaissance avant que cette session ne commence. Voilà, c'est simplement une doctrine en réponse aux dernières sources des coprocureurs. Good afternoon, Your Honours. And we have no objection to the document. Thank you, Your Honours. 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 ហមិទ្វីការពីក្តីខៀវសំផនឡើងធ្វើសារណាតាកតើនឹងតាក់ហើយក៏បណ្ដឹងសាទុកពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីសាស្ត្រទូទៅក្តីពីផោះតាំងសូមអញ្ជើញ Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez vous-même indiqué ce matin en parlant de la discussion sur le procès équitable et l'approche générale de la preuve, il est très difficile de scinder les deux temps. Les deux questions sont liées. Et c'est pour ça que je peux répondre à M. le procureur lorsqu'il nous dit que nous ne faisons pas la démonstration de l'absence d'équité. Nous avons fait ça ce matin. Si nous l'avons fait cette démonstration, nous l'avons fait en analysant à chaque fois les problèmes des conclusions et de la manière dont la Chambre arrivait à ses conclusions et l'utilisation de la preuve qu'elle faisait. Comme je l'ai indiqué ce matin, les 777 pages du jugement de 2014 sont une suite de conclusions raccourcies et déformations aux règles, déformation des règles et au mépris des principes devant régir les règles de la preuve en matière pénale. Et là, je me réfère à une très belle opinion dissidente de la juge de la Cour pénale internationale, Madame Christine Van de Wingert, dans le jugement Katanga, au paragraphe 172, où elle rappelle que l'intime conviction des juges ne peut résister à la norme d'administration de la preuve applicable et à la rigueur dépassionnée que celle-ci requiert. La rigueur des passionnés. Autant vous dire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Cour suprême, que la Chambre de première instance n'a pas
fait preuve de rigueur dépassionnée. Bien au contraire. Alors, de l'autre côté de la barre, les coprocureurs nous disent, mais c'est l'appréciation souveraine des juges, c'est leur intime conviction. Oui. Ils ont un pouvoir d'appréciation souverain. Ça, c'est sûr. Mais il y a un certain nombre de règles à respecter dans le cadre de cette appréciation souveraine. Tout d'abord, la décision doit être motivée. Ensuite, ça c'est un élément important que nous avons souligné dans le cadre de notre mémoire d'appel, il y a des règles à suivre lorsque l'on suit une démarche déductive. Enfin et surtout, dans le cadre de l'administration de la preuve, de la gestion de la preuve et de l'appréciation de la preuve, il y a un principe qui est le socle du droit pénal, qui est que le doute doit toujours profiter à l'accusé. Et c'est l'inverse que nous avons pu constater dans la gestion de la preuve par la chambre de première instance. Compte tenu du temps qui m'est imparti, il est évident que je ne pourrais pas donner l'intégralité des exemples. Je vais en donner quelques exemples frappants, mais je vous renvoie quand même sur la nécessité de motivation d'une décision à la jurisprudence, l'arrêt Fourmijiza, paragraphe 69, l'arrêt Kunarak, paragraphe 41, l'arrêt Nalétilik, paragraphe 603. Et sur un point qui est essentiel dans la manière dont la Chambre a géré, mal géré, la preuve, la question de la démarche déductive est essentielle. Là, je vais vous citer le jugement Tadic, le paragraphe 240, il parle de l'analyse et de la question de la déduction dans le cadre de l'analyse des éléments de preuve. On dit, lorsque les éléments de preuve permettent d'aboutir à plus d'une conclusion raisonnable, il n'appartient pas à la présente chambre de tirer la conclusion la moins favorable à l'accusé. Et malheureusement, tout au long du jugement du 7 août 2014, nous n'avons que ça, des suites de conclusions qui sont les moins favorables à l'accusé lorsqu'il y en a plusieurs. Je renvoie à nouveau au jugement Knorr-Gillac, paragraphe 67, à l'arrêt Tagemoura, paragraphe 304, 306, 399, qui viennent également rappeler ce principe. Également, des éléments que nous avons bien sûr évoqués, je vous renvoie notamment à la note de bas de page 232 de notre mémoire d'appel. Le doute doit toujours profiter à l'accusé. Et contrairement à ce qu'indiquait M. le coprocureur ce matin, il ne s'agit pas de faire des métaphores, il s'agit de rappeler le droit. Il ne s'agit pas d'éléments généraux, il s'agit pour chaque violation que nous avons constatée de ce principe, pour chaque conclusion, qui n'est pas la seule conclusion raisonnable, et qui était d'autant moins la seule conclusion raisonnable. La défense avait soumis un certain nombre. D'autres explications avaient présenté une défense. Et là, ça me permet également de rebondir sur ce qui a été dit ce matin, de dire que la défense a été dans la possibilité de présenter des éléments à décharge, de dire que nous avons été dans la possibilité d'interroger des témoins. Certes, mais si systématiquement, quel que soit l'argument que nous mettons en avant, quelles que soient les contradictions que nous arrivons à soulever dans le cadre d'un interrogatoire, si ces éléments ne sont jamais pris en compte par la chambre de première instance, il y a un problème. Il ne s'agit pas de pouvoir présenter des éléments de défense, il s'agit de savoir comment la chambre les traite. Là, c'est là que nous avons la violation de l'équité du procès. C'est là que nous avons un double standard. La liste des erreurs et violations de la chambre dans l'approche de la preuve, nous en avons, comme je viens de l'indiquer, des erreurs constantes dans la démarche déductive, des conclusions fondées sur des éléments de preuve contradictoires entre eux et des contradictions qui ne sont jamais élucidées. Une utilisation en masse
des déclarations écrites à faible valeur probante, mais qui sont utilisées sur des éléments essentiels. Et là, je renvoie à ce que je disais ce matin sur la question des éléments qui sont utilisés hors champ du procès avant 75. Par exemple, pour pouvoir démontrer, tenter de démontrer qu'il y a eu des déplacements de population avant 75 et qu'il y avait un mode opératoire récurrent, la Chambre se fonde essentiellement sur des éléments écrits. Quasiment aucun témoin sur la question devant la Chambre, pas de possibilité de discussion du côté de la défense de ces éléments provenants. Et pourquoi c'est si important pour la Chambre de le faire? C'est que, comme je vous le disais ce matin, il ne s'agit pas simplement d'une déformation de la Chambre ou d'une erreur. Non, c'est une construction de la Chambre. Elle a besoin de faire cette construction pour entrer dans le cadre prédéfini d'une culpabilité. Parce que si on n'arrive pas à trouver les éléments de culpabilité pendant la période 75 à 79, et bien on la cherche ailleurs. Et typiquement sur les déplacements de population, c'est exactement ce qu'on a par rapport à la culpabilité de 200 ans, pour pouvoir, en fin de course, aller du côté du mode de la responsabilité pour dire il savait ce qui s'était passé avant. Donc, nous en concluons qu'il a donné son accord et qu'il a participé à une entreprise criminelle qui est née bien avant 75. Nous n'avons pas d'éléments pour vous dire qu'il a participé réellement à la prise de décision ou à la mise en application du déplacement de population, mais vous prendrez ces éléments avant. Et ces éléments avant, ils ont été mis dans le jugement en utilisant une masse de déclarations écrites. Encore, autre mode de violation de la Chambre dans l'approche de la preuve, utilisation toujours à charge des témoins des experts, du témoignage des experts, le traitement à double standard de la preuve, ça j'en ai parlé ce matin, alors qu'on soit bien clair. Monsieur le coprocureur nous explique que nous prenons un ou deux incidents. Non, nous n'en prenons pas qu'un ou deux lorsque l'on est en train d'analyser toutes les erreurs factuelles de la Chambre sur les différents crimes, sur les différents thèmes de ce premier procès. Nous avons une liste successive de décisions et d'appréhension de la preuve dans le même genre. Exemple. Paragraphe 544-545 de notre mémoire d'appel, les conclusions de la Chambre sur le rôle supposé de Kyo Sampan au sein du comité permanent, sur la base de deux copies de PV. Et je dis bien copies, parce que nous avons toujours les problèmes des originaux. La Chambre conclut que Kyo Sampan, je cite, participait activement à certaines réunions du comité permanent. En tout et pour tout, au dossier, il y a 16 copies de PV. Et sur ces 16 copies de PV, il y en a deux que Sampan aurait pris la parole. Et dans les deux cas, ce n'est pas une opinion qui donne, c'est un rapport qui fait. Mais ça n'empêche pas la Chambre de conclure que Kyo Sampan participait activement à certaines réunions du comité permanent. Et par rapport à ça, il y a quand même des éléments en défense, même pas en défense, des éléments en dossier. On nous dit qu'il était actif au comité permanent. Mais il y a quand même des questions qui se posent, que n'importe quelle chambre se serait posée. Comment se fait-il, s'il était si actif, s'il avait tellement le pouvoir qu'on veut bien, la Chambre veut bien lui donner au sein du comité permanent? Comment se fait-il que, tout au long de la période du Kampuchea démocratique, jamais il n'était désigné membre de ce comité permanent? Comment se fait-il, alors qu'on nous soutient, ça c'est un autre élément dans l'interprétation de la preuve de la Chambre qui résulte d'une déformation, on nous soutient que Sampan aurait été en contact avec le CCK depuis les années 60. Il a même été au lycée avec Pol Pot. Pas dans la même classe, mais c'est pas grave, on n'est pas un détail près. Comment se fait-il que la Chambre ne tire pas d'autres conclusions du fait que ce n'est que quelque part en 76, c'est-à-dire bien après la décision de l'évacuation, que Sampan était membre du comité central. Avant, il n'était que membre candidat. C'est quand même des questions qui se posent devant à une juridiction qui est en train d'examiner les crimes les plus graves et qui doit se pencher sur la responsabilité de M. Kyo Sampan. Voilà un exemple de la gestion de la preuve, de l'interprétation de la preuve. Alors oui, forcément, lorsqu'on a donné, on a eu un certain nombre d'éléments, de témoignages expliquant que non, M. Kyo Sampan n'avait pas de pouvoir, etc., etc., que c'est sur ces deux PV
que la Chambre va pouvoir dire qu'il participait activement. Je dis que nous sommes dans un problème de gestion de la preuve et l'équité que nous dénoncions, le manque d'équité plutôt que nous dénoncions, illustré par ce genre de raccourci. Un autre élément, autre exemple. Puisque M. le coprocureur nous a dit ce matin que Kipoun est un des témoins centrales au cadre du ministère des Affaires étrangères, alors on n'a pas dû assister aux mêmes choses parce que lorsque Kipoun est venu témoigner devant la chambre de première instance, il était garde et chauffeur, il n'était pas au cadre du ministère des Affaires étrangères. Mais j'ai déjà évoqué les problèmes qu'il y a eu dans la manière dont on a voulu absolument protéger ce témoin quand on le confrontait à ses déclarations. Toute la gestion sur la question de la participation de M. Kyo Sampan à la réunion supposée sur l'évacuation de la ville de Phnom Penh, tout ce qui vient, soi-disant en corroboration de cette déclaration dont, je le rappelle encore une fois, nous contestons la véracité et en tout cas la grande valeur probante, il y a une absence de prise en compte des témoignages d'autres gardes, puisque c'était son travail, M. Kipoun, d'être garde. La prise en compte d'autres éléments à décharge, de gardes qui expliquent comment normalement se passait la surveillance de ces réunions et du fait qu'il y avait une distance qui empêchait les gens d'assister au contenu de la réunion. On ne prend pas en compte les contradictions internes du témoin et les différentes versions entre ses déclarations écrites, ses déclarations à l'audience et ses déclarations même d'un jour à l'autre à l'audience. D'ailleurs, quand on le confronte à ces contradictions, on veut couper la défense. Ensuite, on utilise un document en disant qu'il vient corroborer, mais il ne parle pas, le document, c'est un étendard révolutionnaire, il ne parle pas de l'évacuation, il parle d'une attaque militaire. Ensuite, autre utilisation, c'est une démonstration de la construction de la chambre. Toujours sur ce même point, dans le cadre de son délibéré, elle va aller rechercher un document qu'elle avait refusé d'admettre en preuve, parce que tout d'un coup, elle se dit, mais ce document peut m'être utile pour rentrer dans ma thèse. Et elle va chercher un document qui est un télégramme, en disant, ah ben, comme le télégramme dit qu'il est revenu quelque part en mai 1974 du côté du Cambodge, enfin, qu'il a en tout cas quitté tel pays à telle date, ça veut dire qu'il était peut-être là à la réunion. Ensuite, on va utiliser une déposition de Nguyen Chia qui vient pourtant en contradiction du témoin Kipoun, et on va dire, ça vient conforter la version de Kipoun. Et on va encore utiliser aussi une interview de Yang Sari où il parle d'une réunion qu'il aurait eu avec Pol Pot au sujet de l'évacuation et la chambre. Et on ne sait pas d'où sort cette affirmation. Vient décider que, cette discussion, on pense qu'elle a eu lieu au moment de la réunion ou tout ça aux alentours. Voilà comment se passe la construction. Alors, on peut me dire, oui, on avait la possibilité de présenter des éléments, on les a présentés. Mais quand la Chambre, elle fait exprès, parce qu'elle a un agenda en tête, elle a besoin de trouver des éléments, soi-disant de corroboration, pour un élément qui est nécessaire pour entrer en voie de condamnation, bien nous, on se dit qu'elle ne fait pas le travail d'un juge impartial. Elle n'est pas impartiale. Elle a sa préconception et elle veut la confirmer. Et sur ce point, on arrive à deux conclusions de la Chambre. Kyo Sampan était de retour au Cambodge en juin 1974, quand la réunion a eu lieu. Quand il est revenu, on ne sait pas, c'est supposition de la Chambre. Et là, le plus fort, vous l'avez, c'est écrit noir sur blanc dans le jugement. Au paragraphe 139 du jugement, la Chambre juge très probable que la date de la réunion de juin 1974 était fixée de manière à permettre à Kyo Sampan et Yang Sari d'y assister et de présenter au comité central du PCK des résultats très fructueux de leur réunion avec de hauts dirigeants chinois, vietnamiens et laotiens. Qui a dit que on avait... Personne n'a dit ça. Hein. Aucun témoin, aucun document ne dit qu'on attendait Kyo Sampan et Yang Sari. Ni Yang Sari, ni Kyo Sampan, ni Yang Chia qui était à la réunion ne disent qu'ils étaient présents. Plus fort encore, sur cette fameuse réunion, rappelons-nous quand même que le témoin Kipoun parle de deux réunions et que dans ces notes de bas de page, les nombreuses notes de bas de page qui sont censées étoffer, étayer la thèse de la Chambre, et bien la Chambre n'en fait qu'une de ces deux réunions. Parce que ça l'arrange.
traitement de la preuve, oui, je veux bien le pouvoir souverain de la Chambre, mais quand le pouvoir souverain de la Chambre aboutit à de la déformation, il y a un problème de gestion de la preuve. Il y a de nombreuses erreurs qu'on voit, paragraphe 125, 156, 158, etc. de mémoire d'appel, je ne peux pas rentrer dans les détails, le temps m'est compté, je sais bien. Mais il y a quand même des éléments aussi intéressants à noter dans la gestion de la preuve par la Chambre. Elle nous dit que son plan aurait participé par le biais de sessions d'éducation à prôner la haine entre au moment pour les déplacements de population contre les citadins. Ça, c'est paragraphe 164. Sur la question du PCK et de la haine supposée des citadins. En revanche, elle omet complètement de citer pourtant le témoin Pipoun qu'elle trouve tellement extraordinaire, qui explique, et là je renvoie notre paragraphe 163 de notre mémoire d'appel, qui explique qu'avant 1975, eh bien que Sampan lui prenait l'Union nationale et le rassemblement de toutes les forces possibles, au-delà des paysans et des ouvriers. Et là, on est en complète contradiction avec une entreprise criminelle qui serait née avant 1975 et où il y aurait une haine des citadins qui aurait été prônée. Donc voilà des exemples de manipulation, de déformation de la preuve par la Chambre. Il y a de nombreux autres exemples. Je sais que le temps m'est compté, j'avance. Question des déclarations écrites. 1399 déclarations écrites admises dans ce procès. Le 15 août 2013, peu de temps avant que nous débutions la rédaction de nos mémoires finies. Il est évident que ce n'est pas dans le peu de pages qu'on avait dans le mémoire qu'on pouvait aller démonter et analyser complètement 1399 déclarations écrites. Et lorsqu'on parle des problèmes des déclarations écrites, il y a plusieurs déclarations écrites. Il y a celles qui sont prises devant les causes d'instruction. Il y a aussi les déclarations de partie civile, mais ça, je suis obligée d'en dire un mot. Sur les déclarations écrites de partie civile, nous avons pu voir à l'audience, nous avons la démonstration, mais un nombre incalculable de fois, il pouvait y avoir un écart énorme entre ce qui était dit dans les déclarations écrites et ce qui était dit à l'audience par les parties civiles. Mais on s'est quand même basé là-dessus pour entrer en bonne relation sur les déplacements de population, sur des éléments. Vous avez eu l'exemple avec Sam City. Ça faisait partie d'une déclaration écrite qui avait été utilisée. Ce n'était pas une partie civile, mais c'était une déclaration écrite. Et quand il arrivait à l'audience, la version n'était pas la même. Sur la question des parties civiles, aussi, nous n'avons pas la même position de l'équipe de Nietzsche, mais il y a quand même un problème dans la gestion de la Chambre qui a fait les dépositions des parties civiles, puisque en gros, il y avait deux types d'audiences. Il y avait des audiences où les parties civiles étaient déposées et étaient interrogées comme n'importe quel autre témoin. Et puis il y avait des audiences particulières sur l'incidence des crimes où normalement on était censé parler et évoquer la souffrance de ces victimes. Et dans les différents documents que la Chambre issus dans le cadre de la gestion de ces audiences, elle fait à chaque fois une différence. Et là, je renvoie à E236-5, je renvoie au document E267-3, où à chaque fois, on fait bien une différence entre une déposition normale et une déposition partielle dans le cadre de la déclaration de souffrances. Quand même, rappelons-le, dans le cadre des audiences sur les déclarations des souffrances, il y avait un temps extrêmement limité accordé à la défense pour pouvoir interroger les parties civiles. Et que de fait, puisque la Chambre avait elle-même annoncé qu'il s'agissait plus tard de déterminer le préjudice, il est évident que nous n'avons pas pu exercer nos droits de la même façon qu'avec un témoin. Et pourtant, pareil, la Chambre s'est largement fondée sur ces déclarations et malgré la manière dont l'examen de la preuve s'est déroulé à l'audience. Je pourrais continuer encore et encore sur le manque de rigueur, sur la déformation de la preuve par la Chambre, le traitement par les experts. Peut-être que je serai plus à votre disposition dans le cadre de questions, compte tenu du temps qui m'est imparti. Mais quand même, je suis obligée de, en conclusion, de dire, Monsieur le Président, pardon, Mesdames, Messieurs de la Cour suprême, que l'accumulation des éléments de preuve déformés
biaisée ou à très faible valeur probante ne donne pas plus de force aux conclusions. Et là, je réponds à l'argument des co-procureurs qui nous dit « Oui, vous isolez la preuve, c'est un ensemble général, il faut... » Moi, je peux simplement vous dire que la somme de preuves bancales, aussi nombreuses soient-elles, ça reste de la preuve bancale. La preuve, une accumulation de preuves déformées, ça reste la déformation de preuves. Ce n'est pas parce qu'on déforme X et X et X documents ou X et X et X déclarations de témoins qu'on arrive dans la masse à oublier qu'on l'a déformé. Et c'est bien le problème, et c'est là où nous voyons la manifestation du manque d'impartialité de la Chambre. Et c'est cela que nous vous demandons de sanctionner. Et nous vous demandons de nous sanctionner pas parce que nous serions simplement, parce que nous sommes des avocats de la défense, nous sommes de mauvaise foi. Non, nous vous demandons de le sanctionner en faisant écho à ce que je vous disais ce matin, parce que dans le cadre d'un procès de ce type, il est important de faire preuve de la rigueur dépassionnée qui est l'apanage de votre fonction. បាទសូមគោរពលោកឯកឧត្តមប្រធានលោកលោកស្រីចៅក្រមភាគីតាមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យអ្នកជនខ្ញុំបាទឈ្មោះពេជ្រអង្គនិងលោកស្រីម៉ារីគីរ៉ូដែលនៅជិតខ្ញុំនេះគឺជាតំណាងជាមេធាវីនាំមុខតំណាងក្រុមរួមនៃតាមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចម្លើយតបរបស់មេធាវីនាំមុខចំពោះអ្វីដែលបានលើកឡើងពាក់ដោយមេធាវីការពារក្តីយើងខ្ញុំបានយើងខ្ញុំសូមឆ្លើយដូចតទៅនេះ បាទជាបឋមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែលយើងនឹងលើកគឺយើងយល់ថាអ្វីដែលមាននៅក្នុងសារណារបស់មេធាវីការពារក្តីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យគឺថាមានចំណុចជាច្រើនដែលយើងយល់ថាមិនសមស្របយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាយើងលើកឡើងនេះគឺមិនមែនក្នុងន័យជំនួសឲ្យអំណះអំណាងទាំងឡាយ ដែលលើកឡើងដោយសហប្រជាញ្ញានោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងលើកពេលនេះគឺជាការបំពេញបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលសហប្រជាញ្ញាបានលើកហើយដែលយើងយល់ថាចាំបាច់ចំណុចដំបូងគឺថាលោកមេធាវីការពារក្តីនួនជាបានលើកថាវាជាការភ័ន្តច្រឡំទៅលើអង្គច្បាប់ខណៈដែលអង្គជំនុំជម្រះ បានសំអាងជាសំខាន់ឬក៏ជាចម្បងទៅលើតែពាក្យប្តឹងរបស់ដាបបណ្ដឹងរដ្ឋវិញនេះដោយមិនបានពិចារណាទៅលើស្ថានភាពមិនច្បាស់រោះឬក៏ស្ថានភាពគួរឲ្យសង្ស័យដែលពាក្យបណ្ដឹងទាំងអស់នោះត្រូវបានបង្កើតឡើងនោះទេឬក៏គាត់បានលើកឡើងថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានយកឯកសារទាំងនោះជាភស្តុតាង ដែលអាចទទួលយកបានដោយមិនបានសួរដោយផ្ទាល់មាត់ទៅលើដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យជាម្ចាស់ឯកសារនោះទេដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យសូមលើកថាឯកសារជាលិលាអក្សររបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យជាដំបូងត្រូវបានពិនិត្យដោយការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវបានទទួល ថាជាភស្តុតាងពាក្យសុំតាំងខ្លួននរដ្ឋវិនិច្ឆ័យទាំងនោះបានរៀបចំដែរមេធាវីការពារក្តីលើកឡើងថាមានការសង្ស័យចំពោះព័ត៌មានរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិនិច្ឆ័យដែលបានលើកនោះចំណុចនេះយើងខ្ញុំលើកថាវាមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទេអ្វីដែលគាត់បានលើកហើយជា
ការលើកដោយមិនមានការពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅលើគ្រប់ធៀបសំយើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាមេធាវីនាំមុខបានបញ្ចូលឯកសារទាំងនោះទៅក្នុងបញ្ជីរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2011ហើយភាគីទាំងអស់បានដឹងជាដំបូងថាតាំងពីដំបូងថាយើងនឹងប្រើប្រាស់ឯកសារដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីទាំងនោះជាភស្តុតាងលើសពីនេះភាគីត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសក្នុងការជំទាស់ការប្រើប្រាស់និងពិនិត្យទៅលើឯកសារទាំងអស់នោះអាចយកមកដេញដោលនៅក្នុងពេលសួរសាកសីនិងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាផងព្រមទាំងអាចប្រើប្រាស់ឯកសារទាំងអស់នោះឬក៏ដេញដោលទៅលើឯកសារទាំងនោះនៅក្នុងឱកាសនៃការបង្ហាញឯកសារកលិះទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់ភាគីអាចស្នើដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាទាំងនោះមកសាកសួរបន្ថែមនៅក្នុងករណីចាំបាច់ភស្តុតាងទាំងនេះមិននិយាយអំពីសកម្មភាពនឹងអត្តចរិតរបស់ជនជាប់ចោទឡើយដូច្នេះចៅក្រមអាចប្រើប្រាស់វាជាភស្តុតាងដោយមិនចាំបាច់កោះហៅដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាមកផ្ដល់សក្ខីកម្មដោយផ្ទាល់បានលើសពីនេះទៅទៀតអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានប្រើប្រាស់ឯកសាររបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាទាំងអស់នេះដោយធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ឬក៏បន្ថែមទម្ងន់ជាមួយភស្តុតាងដទៃទៀតដែលអង្គជំនុំជម្រះទទួលបានការអនុវត្តដូចនេះដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគឺជាការអនុវត្តដោយគោរពទៅតាមគោលការណ៍នៃការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌រួចទៅហើយអ្វីដែលមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនបានលើកឡើងថាព័ត៌មានរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាពេលដែលបានសួរទៅលើពួកគាត់មានការខុសគ្នាអំពីអ្វីដែលគាត់បានឆ្លើយផ្ទាល់មាត់នៅអង្គសវនកម្មនេះចំណុចនេះអាចមានតែជាក្នុងកម្រិតតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនគួរលើកបញ្ហាតិចតួចនេះមកធ្វើជាបញ្ហាធំហើយប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃឯកសាររបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាទាំងមូលនោះទេមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកដួនជានៅក្នុងមូលដ្ឋានទី23របស់ខ្លួនបាននិយាយថាសក្ខីកម្មរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាមិនមានការបង្ការសំស្របដើម្បីការពារសុចរិតភាពនៃភ័ស្តុតាងដោយហេតុថាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាមិនបានស្បត់នៅក្នុងពេលធ្វើសក្ខីកម្មទេគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការជួបជាមួយមេធាវីរបស់គាត់ដោយសេរីគាត់អាចពិភាក្សាដោយសេរីជាមួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាដទៃទៀតអំពីរឿងហេតុរបស់គាត់ជាបឋមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសម្បត្តិយើងខ្ញុំយល់ថាមេធាវីការពារក្តីបានភ្លេចថាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាគឺជាភាគីមួយនៃរឿងក្តីដោយជន់ចប់ចោតដែរគាត់មានសិទ្ធិផ្ដល់សក្ខីកម្មនិងត្រូវបានលើកលែងមិនឲ្យធ្វើសម្បត្តិករណីនេះត្រូវបានសម្រេចរួចទៅហើយដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងជាច្រើនលើកជាពិសេសកាលពីខែមេសានិងខែធ្នូឆ្នាំ2011និងខែមករាឆ្នាំ2013គោលការណ៍នេះមានចែងនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជានិងនីតិវិធីផ្ទៃក្នុងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិធាន92ព្រមទាំងមានចែងអំពីច្បាប់បារាំងផងនៅក្នុងច្បាប់បារាំងផងដែរថាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាមិនមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការស្បត់ទេដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាមិនស្បត់មិនមែនមានន័យថាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាគ្មានសិទ្ធិនៅក្នុងការផ្ដល់សក្ខីកម្មទេជនជាប់ចោទជាភាគីមួយដែលមានសិទ្ធិនិយាយចំពោះមុខអង្គចៅក្រមហើយសក្ខីកម្មរបស់គាត់អាចប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងបានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញាក៏ជាភាគីមួយដែរគាត់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដូចគ្នាដោយមិនតម្រូវឲ្យស្បត់ទេលើសពីនេះទៅទៀតចៅក្រមមិនត្រូវបានចងកាតព្វកិច្ចត្រូវតែជឿទៅលើសក្ខីកម្មរបស់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋវិញ្ញានោះទេគឺចៅក្រមមានឆន្ទានុសិទ្ធិនៅក្នុងការពិចារណាពីភាពដែលអាចជឿជាក់បាន
nay sa khay cam robot đam và đồng rót với nhì đói bên nứt từ lơ cả nay niềm mùi niềm mùi mấy thứ ví lục nuôn chia bàn lực lang thả cá ăn ở vật xem tiết tẹt tông thì năng cá châu rùm robot đam và đồng rót với nhì cứ ai từ lơ mùi than thả đam và đồng rót với nhì miên thần nặng smile kia rồi gọi đôi kia từ năng xạ xây cả đời này dương ban bệnh trạng khang lơ rồi hai thà đam bản đăng rót về ní cứ chia phép kỳ mũi này đường cái đây vụ quan bản men chuyện xả xảy tề đam bản đăng rót về ní miên phải phải giáo kho âm pi xả xảy nếu pe đại quạt chơi rôm được nông sao nà cả đi quạt ai miên mây thổi quạt ai bị nứt sầm nồng rướng quạt ai chơi sao nà cả cướp pe về lìa đôi chân này đam bản đăng rót về ní vùng miền thanh nặng đôi khi nên đằng sạ xây nội tề lục mê thủy lục nuôn chìa cả bàn lực tiệt thả ông chung ria sa la đầm bông miền cà quan trở lòng từ lơ ông chấp bắp đòi prau vị thi sa phía cha là na từ lơ pho tang rót rót bát đam bản đăng rót về ní cả rồi này tam cả rồi này niềm mùi niềm mùi nông ca vi chậm lại từ lớp hiệp chưa chạy nơi sạc khởi cảm mê thư vi nông mục xô mình chạy thà phía kỳ ai xua đang bận đang rọt về nhì nâng ai vi chậm lại từ lớp sạc khởi cảm rồi bỏ quạt lẽ mà đóng tiết ở mấy thứ vi nó mốc xôm lực thả sạc khay cam rồi bỏ đam và đăng rọt với nhí cứ ai oi phía kỳ rồi gọi ai xua lỡ bỏ miền bỏ quạt hai túc là tập hiệp oi trà cắm được nông ca vị nị chay từ lỡ cả rồi này được mùi được mùi đối cả rồi này sạc khay cam rồi bỏ sạc xây đài hai cả rồi này nít trực bán lực chỉ nhược nhuộm đòi ong chung chung ra xa là đồng bồn chỉ trong cao ấy mê thủy vi ca biệt ở đây bàn lực thà đang bật đăng rột với ní đã trở bán con chơi một đoàn sở khảy cắm cứ mình ách trở nên dây ông bị ông hẹt bàn đủ tì nâng mình ách bà bà chỉ phó tăng tê chùm bố ông hẹt đại quạt bàn đòl nực nông ọc ca đại quạt trở bán con chơi tầm bay nên dây ông bị ca chư chăm rư có ca khỏi khát mê thủy vi nó mốc xôm lực thà cục phía kỳ miên ở ca nâng ách xua nông bê sâu vận sao nạ ca nơ bê đã đam bảo đăng rột với nhì trực bàn có ảnh chơi ao để dây ẩm bì ca chứa chấp hay đăng ca khôi khát cứ phía kỳ miên ở ca nâng nông ca bắt đo ở xua ẩm bì ong hẹt tức đó đam bảo đăng rột với nhì trọng ảnh đi hơi ở vây đại lục xây mê thủy vi ông ta ghi xe bàn lực bánh mênh thà mình trở mê thủy vì cao biết cái đây mình trở bàn bảo là ca nơi không ca xua đang bảo đang rộn với nhì rước gọi ca miễn tạch tuổi xâm rạp mê thủy vì cao biết cái đấy nhưng chúng xung để chạy thả chỉ tu tớ mê thủy vì cao biết cái đây mình bán pra ở ca bọc luôn nơi không ca xua tớ đang bảo đang rộn với nhì tê đôi chân hai bê và liền đi trở bàn cầm rật màu tạch cầm tá mê thủy vi ca pia cái đấy có trắc ban bắt đầu ở ca phong đai nơi khôn ca có hai đang bật đang rót với nhì nhì một xua bẹp pon cho đang bánh hà ông hết sai chỉ thứ mấy nhưng khi ông ai lượng ông pia cái này lục chơi nhì đã trắc ban bắt đầu ông có hành chơi nhỏ một nơi dây ông pia ca chưa chấp cầm tay chơi cầm ông chung ra sao là bốn bàn bắt đầu ở ca đó cầm ca pia cái đấy lục khiêu sầm pon có hành chơi sai chỉ thứ mấy lục chơi nhì đầm bay một đó cái cam bẹp con từ nắng ông hạt đối chứ nè vì mình men chia ca xong hạt pho tết đang là dây thá đang mà đang rột với nì mình ai là dây đã ông pi ông hạt nửa pe đã qua trực ban có hành trình gì ông pi ca chưa chậm nâng ca khỏi hạt bạn hỏi chia bản to nick nhóm số mình chạy thang đang mà đang rột với nì đã bán một đó cái cam cứ quát trời ca xoay như rốt ca bật quát mình trời ca này dễ dàng với đá bình mênh chỉ ca bật nụ tì
quand miên ca chư chắp hay quand mần ạch khlaing ca chư chắp របស់ quand nu te hay som ban chap tom nih nơ avai dael khnyom leuk hay som lok prathean anyan oy sakkarai របស់ khnyom lok srey Mary Giro ban lang thlaing bon to som akun khang ha mitvi nom mok peil velia ออก ដែរ ហើយ ហើយ បើ លោក ស្រី ចង់ បន្ថែម គឺ បន្ថែម បាន បន្តិច បាទ អាច ត្រឹម 9 5 នាទី អី អាច សូម ជួយ Je vous remercie, Monsieur le Président, et je vais essayer de contenir mes observations dans les 5 minutes que vous nous avez allouées. Je voudrais revenir sur 3 des points qui ont été mentionnés dans le rapport qui a été fait avant la pause déjeuner. La possibilité qu'avait la Défense de confronter les preuves qui ont été versées par les parties civiles, la recevabilité de ces preuves, notamment au regard du volume important de documents écrits qui ont été versés en preuve, et puis la façon dont la Chambre a évalué la force probante de ces preuves versées par les parties civiles. Dans son jugement, et mon confrère l'a rappelé, la Chambre de première instance a utilisé un certain nombre de constitutions de parties civiles pour corroborer, et j'insiste sur ce terme fondamental, corroborer un certain nombre de constatations factuelles. Et j'insiste aussi sur ce terme particulièrement important, corroborer des constatations factuelles. La Chambre de première instance n'a pas utilisé ces documents pour démontrer la participation des accusés au crime qui leur était reproché. Dans leurs mémoires respectifs, les accusés ont tous deux contesté la façon dont la Chambre avait utilisé les preuves qui avaient été versées par les parties civiles. Nguyen Chia et Kieu Sampan ont tous deux considéré que la Chambre avait commis des erreurs de droit et de fait, ayant trait tant à la recevabilité des preuves qu'à leur force probante. Il est important de rappeler et d'indiquer ici qu'aucun des accusés que ni Nguyen Chia ni Kieu Sampan n'a pointé dans son mémoire d'appel une condamnation précise, c'est-à-dire une condamnation pour un crime précis au regard d'allégations factuelles précises qui seraient directement touchées par les erreurs qui ont été alléguées. Aucun accusé n'a indiqué en quoi ces erreurs alléguées permettaient soit d'invalider le jugement, soit de considérer qu'il existait un déni de justice, qui sont pourtant des critères essentiels de la règle 104.1 du règlement intérieur. Pour cette seule raison, l'ensemble des motifs devra être rejeté par votre chambre. Mais puisque la Chambre nous donne l'opportunité de réagir et de faire quelques observations orales sur ces motifs, je souhaiterais dire ceci. Devant les CETC, mon confrère l'a rappelé, les parties civiles sont de véritables parties au procès qui participent aux poursuites des personnes responsables de crimes relevant de la compétence des CETC. Le moyen privilégié pour une partie civile de participer aux poursuites, eh bien, c'est de verser des preuves. Il peut s'agir de preuves orales quand les parties civiles viennent témoigner à la barre, mais il s'agit plus souvent
Et la question des preuves écrites est pour nous essentielle. Verser au débat les documents écrits que chacune des parties civiles a remplis quand elle a décidé de se joindre à la procédure était pour nous un moyen de rendre le droit de participer des victimes réel et effectif. Je souhaiterais donc abandonner l'autorisation, Monsieur le Président, expliquer plus avant pour la Chambre, mais aussi pour le public qui nous regarde, quelle était la procédure à l'œuvre pour que les victimes puissent se constituer partie civile afin d'éclairer la Chambre et le public sur les deux sujets au cœur de ce débat, la question de l'admissibilité de ces preuves et la question de la force probante de ces preuves. Chaque victime qui a souhaité participer à la procédure a rempli et soumis au stade de l'instruction un document qu'on appelle une constitution de partie civile et qui comprend le récit de manière plus ou moins détaillée de ce qu'a vécu cette personne pendant le régime du Kampuchea démocratique. Certaines victimes ont rempli ce document seules, d'autres se sont fait aider par l'organisation du tribunal. Dès 2007, pour expliquer un petit peu plus avant ce qu'est le dossier, il me semble important de rappeler que devant le dossier, il n'y a pas un dossier de l'accusation contre un dossier de la défense, mais il y a un seul et même dossier constitué lors de l'instruction, nourri par le travail des juges et des parties elles-mêmes. La défense avait bien évidemment accès à ce dossier dès le début de l'instruction. Le droit des accusés à confronter ces constitutions de partie civile a été au cœur de cette décision, à l'occasion de laquelle la Chambre nous a indiqué que les constitutions de partie civile que nous souhaitions voir versées au dossier devaient être disponibles dans les trois langues officielles du tribunal,
constituer un échantillon représentatif de l'ensemble des documents que nous souhaitions voir versés et qu'elles étaient interdites si celles-ci concernaient des actes et comportements des accusés, alors même qu'une confrontation était impossible. Il est important de comprendre que la Chambre nous a enjoint à deux reprises de limiter les constitutions des parties civiles que nous souhaitions voir versées au dossier, précisément pour permettre à la Défense de confronter ces preuves. Nous avons réduit considérablement le nombre de constitutions des parties civiles que nous voulions voir versées au dossier. Et simplement, pour vous donner un chiffre, Monsieur le Président, sur les 3867 constitutions de partis civils, nous n'avons versé aux preuves pour répondre aux injonctions de la Chambre que 484 constitutions de partis civils. Les deux équipes de défense ont eu la possibilité de formuler des objections écrites sur ces listes de 484 constitution de partie civile. Je me réfère au document E223-28 pour Nunchia et E208-5 pour Kyocentan. Dans les deux cas, les objections de la défense étaient extrêmement générales. Il y a eu en tout, dans le procès 2-1, 14 jours de débat oral sur la preuve écrite, lors de laquelle la défense a pu s'exprimer sur la recevabilité de la constitution des parties civiles. Excuse me, counsel. It is my understanding, but I may have been confused by now, that the appeals allege that they, not that they didn't have access to these documents. As I understand the appeals, they allege that these documents should have been disqualified from admission because of their lack of reliability. Alternatively, that a low probative value should be attributed to them, and they should not be relied for the material findings. But the access was not a point that I would have noticed. So I stand corrected if you refer me to a point of appeal where the access to this evidence is disputed. Otherwise, I'd suggest that you move on or you ask the President for an extension of time if there is some issues more directly related to appeals. Je ne parlais pas tant de l'accès de ces documents, mais bien de leur admissibilité. Et puisque vous m'invitez, Madame le juge, à parler de la valeur probante de ces documents, je voulais rappeler une décision fondamentale, qui est la décision E96-7, par laquelle la Chambre, très tôt dans le procès, a clairement indiqué que les constitutions de partie civile auraient une valeur probante très limitée. Et je cite ici la décision de la Chambre que les constitutions de partie civile auraient une valeur probante très limitée eu égard aux circonstances dans lesquelles elles avaient été recueillies. La défense a eu l'occasion de réagir tant sur l'admissibilité que sur la force probante lors de ses plaidoiries finales et de ses déclarations finales en réponse. Et le jugement a expliqué dans ses paragraphes 34 à 39, plus précisément dans son paragraphe 34, les critères qu'elle avait pris en compte pour déterminer la force probante des constitutions de partie civile.
les circonstances dans lesquelles les constitutions de partis civils avaient été recueillies, l'existence de divergences entre différentes versions qui avaient été données, l'absence, bien évidemment, des possibilités de confrontation entre les accusés et l'auteur de cette déclaration. Je vais m'arrêter là car je sais que mon temps est largement compté et je voudrais terminer en vous disant qu'il ne nous appartient pas à nous, partie civile, de porter un jugement sur la façon dont la Chambre a apprécié les preuves soumises par les parties civiles, mais pour que vous, Chambre suprême, vous saisissiez de cette question, il faudra que les mémoires d'appel présentés par les deux accusés vous est convaincu que le test de la règle 104.1 est rempli. C'est-à-dire que l'appréciation de la force probante qui a été faite par la Chambre constitue une erreur de droit qui invalide je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir donné ce temps supplémentaire pour que nous puissions formuler les seules observations que nous formulerons dans le cadre de ces trois audiences. Je vous remercie. Dương sông bạc ca sầm rạ mà phây nè tí hay nâng bằng to xạ bằng nạ cá nơi William Mao đọc buôn nâng xài sầm rạm nè tí. Dương sông chơi sầm rạm.